Connaissez-vous Jeanne Bizier? Jeanne Bizier est la fondatrice de la famille Myriam Bethléem, un regroupement d'hommes et de femmes consacrés à Dieu. Ils sont catholiques, bien entendu. En termes simples, il s'agit d'une nouvelle communauté religieuse catholique fondée à la suite du renouveau conciliaire dans les années 1970. Au départ, Jeanne Bizier sentait l'urgente nécessité d'un renouveau de la vie consacrée. Elle pensait que ça se réaliserait au sein de sa communauté religieuse, les servantes du Saint-Cœur de Marie. Jamais elle n'aurait pensé qu'elle fonderait une nouvelle famille spirituelle. Lors de rencontres avec des jeunes à la maison de ressourcement spirituel des Trinitaires à Granby, elle prend conscience qu'il y a en eux des idéaux élevés et un grand potentiel qui n'est pas mis de l'avant. Dans ses mois à l'emploi de la maison de ressourcement spirituel des Trinitaires auprès du père Jean-Paul Regimbal, des jeunes adultes commencent à lui dire, lors d'entretiens qu'elle a avec eux, j'aimerais ça donner ma vie au bon Dieu, mais je voudrais avoir du nouveau, je voudrais que ça soit dans quelque chose de nouveau, dans une communauté nouvelle. En mai 1978, lors d'une session, une retraite, si on veut, spirituelle pour les hommes d'affaires qui avait lieu à Granby et qui réunissait autour de 400 hommes d'affaires, l'un d'entre eux dit en action de grâce à Dieu pour ce qu'il venait vivre au long des derniers jours, j'ai décidé de donner l'auberge du Roc sur la côte nord pour l'implantation d'une communauté nouvelle. Un ami de Jeanne Bizier, qui est avocat, est présent à cette retraite spirituelle. En entendant cette déclaration, cette action de grâce qui est faite, il lance devant tout le groupe, bien, je pense que c'est pour toi, Jeanne. Un mois plus tard, Jeanne Bizier se rend à Haute-Rive, qui est devenue aujourd'hui Baie-Comeau, pour voir l'auberge en question. Lors d'une session pour les prêtres animée par Monseigneur Fernand Lacroix au couvent des Sœurs de Marie Réparatrice, l'abbé Denis Lavoie, qui est curé de la cathédrale de Haute-Rive, raconte à Monseigneur Jean-Guy Couture, qui est l'évêque du lieu, sa rencontre avec Jeanne Bizier et de l'offre faite par un homme d'affaires pour une œuvre d'église. Après la visite de l'auberge avec le vicaire général et le curé, Monseigneur Jean-Guy Couture téléphone à l'homme d'affaires pour le remercier et lui dire poliment que le diocèse de Haute-Rive n'a pas les moyens d'accepter cette offre. Avant même qu'il ait le temps de lui dire, l'homme lui raconte ce qu'il a vécu à Granby, ce qui s'est passé et comment il a offert l'ancien hôtel à Jeanne Bizier pour sa communauté naissante. L'évêque est attentif. L'histoire que lui raconte cet homme est un peu différente de celle du curé de la cathédrale. Il finit par lui demander de lui donner le numéro de téléphone de la religieuse. Le 22 avril 1978, à 9 heures du matin, juste avant de partir pour cette île où Monseigneur Couture a une réunion du conseil d'administration du diocèse de Haute-Rive, du dîner jusqu'à 16 heures l'après-midi, il téléphone sœur Jeanne Bizier pour lui dire qu'il vient d'apprendre son intention de fonder une communauté religieuse à Baie-Comeau dans l'ancienne auberge du Roc. Il lui demande tout simplement de pouvoir la rencontrer pour pouvoir parler de cela. Ce soir-là,
Monseigneur Jean-Guy Couture commence une tournée des paroisses de Sept-Îles, Port-Cartier, Gagnon et Fermont pour donner le sacrement de la confirmation. Son retour à Outrive est donc prévu pour le 10 mai. La fameuse rencontre a finalement lieu le 27 avril à Sept-Îles, car Jeanne Bizier a organisé sa visite avec l'abbé Marcel Lainès, qui est le secrétaire de l'évêque. Pour Jeanne Bizier, les signes ne cessent de se multiplier. En 4 mois seulement, 12 jeunes d'un peu partout au Québec se sentent inspirés par le projet. En 1996, lors de mon dernier entretien avec Jeanne Bizier, la famille Myriam Bethléem comptait 115 consacrés, dont 2 prêtres incardinés au diocèse de Baie-Comeau, un à Haïti et près de 1000 collaborateurs.